Dans les jours qui suivent, la propagande nazie tente de montrer que les Français prennent le parti de l'occupant contre les Alliés. Regardez ces images tournées à la gare du Nord à la demande des Allemands. En représailles des bombardements, un petit groupe de Parisiens, des collaborateurs, maltraite des soldats alliés faits prisonniers en Normandie. Il y a aussi cette cérémonie surprenante aux Invalides. Trois semaines après le débarquement, 1000 nouvelles recrues de la milice française prêtent serment sous le salut nazi. Anticommunistes, antisémites, ce sont eux qui, depuis des mois, pourchassent les résistants et les juifs aux côtés des Allemands. Autre image, le même jour, à l'hôtel de ville, des milliers de Parisiens viennent honorer la dépouille du milicien et collaborateur Philippe Henriot. On nous dit que nous ne sommes pas des patriotes parce que nous acceptons la politique de collaboration avec l'Allemagne. Depuis des mois, Philippe Henriot a enflammé le public par ses discours à la radio. Il vient d'être exécuté par la résistance.